Et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire, ça fait des semaines que je prépare ça. Alors oui, le titre c'est n'importe quoi, mais tout est vrai, vous allez voir ça. Alors pour cette vidéo, j'ai recruté plusieurs abonnés volontaires, donc il y a des mecs, des filles. Je précise que toutes les personnes ont été testées négatives au Covid, évidemment on fait ultra gaffe à ça. Ensuite avec la prof de Maison Grise, on leur a envoyé un test de compatibilité avec plein de questions sur le domaine de l'amour. Ensuite on a sélectionné les abonnés qui étaient les plus compatibles, donc qui avaient le plus de bonnes réponses en commun, et on les a associés par deux, donc on a créé un peu un couple fictif entre guillemets. Mais ils ne savent pas, en fait ils ont aucune idée d'avec qui ils sont, à quoi l'autre ressemble, etc. Mais ils vont peut-être le découvrir aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi ce peut-être. Là, après l'intro, on va aller dans une grande salle où il y a trois pièces identiques qui sont fermées, donc on voit absolument pas ce qu'il y a dedans. Ensuite, chaque abonné va venir chacun son tour devant les trois salles et il va choisir par hasard dans laquelle il veut rentrer. Alors, dans une des trois pièces, il y aura la fille avec laquelle il a été associé. Donc, s'il gagne la chance et qu'il choisit cette pièce, ils vont se découvrir physiquement. Et comme ils sont de ouf compatibles, c'est possible que ça devienne un vrai couple et que ce soit le début d'une histoire absolument magnifique. On aime ça, nous, bien sûr. Enfin, bref, on verra tout ça, comment se passe leur rencontre. Mais tout ça, évidemment, c'est que s'il choisit la bonne pièce, parce que dans une autre pièce, il y aura un catcheur professionnel qui l'attend. Donc là, s'il a pas de chance et qu'il choisit cette pièce, il va devoir l'affronter en duel et donc en gros se faire massacrer. Et en plus de ça, du coup, il ouvrira pas d'autres pièces, donc il ratera peut-être la femme de sa vie. Vraiment double coup dur pour lui. Et la dernière pièce, c'est une pièce mystère, donc vous verrez ça. Et donc du coup, logiquement, vous avez compris le titre. Alors faut savoir que c'est une vidéo qui demande beaucoup de préparation. Et dans ce projet-là, il y a une marque qui a accepté de m'aider, Fruits, qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux et je vous en parle de suite. Alors du coup, Fruits, c'est une application de rencontre qui a un concept assez simple. Ça permet de rencontrer les personnes qui ont les mêmes envies que vous. Que toi, par exemple, là au fond, là, je te vois là. Combien de fois ça vous arrivait de tomber sur une personne qui avait pas du tout les mêmes envies que vous en swipant à droite sur une appli de rencontre? Je vous pose la question, mais je pose également la question à cette plante verte qui malheureusement ne répondra pas. Et au moins avec Fruits, tu peux dire ce que tu veux vraiment, tu vas à l'essentiel et tu perds pas de temps avec des personnes qui ont pas du tout les mêmes envies que toi. Évidemment, chaque personne veut des trucs un peu différents sur une application de rencontre. Ça peut être une relation sérieuse, juste un petit verre chill, une envie d'un soir, t'as capté. Et si vous voulez pas le dire avec des mots, là-dessus vous pouvez le dire avec des fruits, et oui, vous allez comprendre ça. Alors je dégaine mon téléphone pour vous montrer ça. En fait, il y a différents fruits avec les différentes envies, par exemple cerise pour trouver sa moitié, raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins et la pêche pour une envie de pêcher avec toi. En plus que des jeux de mots un peu techniques, ça c'est beau ça. Donc voilà par exemple à quoi ressemble l'application. Donc vous pouvez swiper à droite, à gauche, comme vous voulez. Et Fruits aide également à démarrer une discussion pour éviter le classique salut ça va qui est vraiment éclaté par terre. Et en fait sur l'appli, pour commencer à parler avec la personne, faut choisir une question parmi celles proposées comme celle-ci et y répondre. Et du coup ça permet de démarrer sur un sujet de conversation un peu décalé, un peu marrant. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'application en description, donc n'hésitez pas à aller télécharger ça. Encore une fois, un grand merci à Fruits de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, on va enfin pouvoir aller dans la grande salle, rejoindre tous les abonnés et démarrer cette vidéo qui s'annonce absolument incroyable. C'est parti! Ok, alors on se retrouve avec le premier candidat. Mathieu, enchanté, bonjour, comment tu vas? Ben ça va très bien. Tu laisses 3 secondes pour te présenter, Mathieu. Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans et puis je viens des Sables-d'Olonne en Vendée. Il te reste 0,2 secondes. Merci. Ok, très bon ça. Mathieu, donc t'as ici derrière toi trois pièces qui sont identiques. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a soit la personne avec qui t'es potentiellement le plus haut pourcentage de compatibilité, ou alors t'as un catcheur qui va te détruire, mon gars, mais t'es fini, ta vie est finie, gros. Ou alors t'as une autre pièce un peu mystère. Je te laisse choisir une des trois pièces. À droite, c'est la 1, la 2 au milieu et la 3 là. 1. Tu veux la pièce numéro 1 là-bas? Ouais. Ok. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Si, tu sais. Ok, ouais. Je sais ce qu'il y a dedans. Je vais te laisser ouvrir directement pour découvrir ce qu'il y a ici dans cette pièce. Vas-y, est-ce qu'il y a la femme de ta vie ou... Oh merde. Je t'en prie, vas-y, entre. Entre, vas-y. Bon. Je te présente Tom, qui est catcheur. Tom, est-ce que tu peux nous détailler un peu ton palmarès rapidement pour nous dire comment tu vas me massacrer, quoi? 15 ans de carrière, 5 titres de champion du monde. Tu parles de moi? Non, je parle de toi. Hein. Je parle de moi. Ah, ok, je crois que c'était moi au début, mais. Le premier et sûrement le dernier combat de ta carrière. Oh, j'adore cette phrase! Il aurait pu rencontrer une femme incroyable! J'ai peur de mourir en passage, je sais pas ce qui se passe. Pour l'instant, il y a une femme qui l'attend là-bas. C'est... Allez, debout, catch un peu. J'imagine, t'aurais pu rencontrer la femme de ta vie. Je pensais pas qu'elle avait de la barbe. C'est la barbe qui te fait peur? Oui. Mec, je suis désolé pour toi. Commencez, Mathieu. T'as du potentiel. Merci. Dans quoi? Dans la chute? Pas dans le catch, mais. J'adore ce concept de me dire là-bas, t'as avec quelqu'un qui aurait pu être la rencontre de ta vie, tu en rencontreras pas. Désolé. Et moi, tout à l'heure, vous savez quoi, en fin de vidéo, je m'attaque à Tom. Toi aussi, tu veux que ça soit ta dernière vidéo? Rien que là, il m'a fait peur. Rien que là, il m'a fait peur et limite mal, tu vois. Donc, merci beaucoup, Tom. On repasse te voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Mathieu, est-ce que t'as kiffé? Je suis un peu triste. Tu vas continuer ce que tu fais dans la vie parce que tu le fais hyper bien. Tu sais pas ce que je fais. C'est vrai. Mais tu le fais hyper bien dans tous les cas, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, on se recroise à l'avenir. Avec plaisir. Et donc, voici qui Mathieu n'a pas rencontré, n'a pas eu de chance de rencontrer. Anna, bonjour. Bonjour. Bonjour Anna, comment vas-tu? Bah, plutôt bien. Tu avais pour info 78% de compatibilité avec lui. Notamment un truc fou, c'est que vous avez tous les deux des chaussures aujourd'hui. Ça, c'est un peu un commun non négligeable. Anna, bah, je suis désolé parce que malheureusement, on n'aura pas pu plus voir avec Mathieu. Mais peut-être que vous verrez un autre jour, vous croisez dans la rue et vous direz, ça, c'était une belle rencontre. Tu vois. Exactement. Merci beaucoup quand même, Anna.
On retrouve Lucas, mais un Lucas qui a 10 cm de plus que moi. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Lucas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en fac d'économie. Je suis compatible à 61% avec une fille qui se trouve quelque part par là. Elle est barbue ou pas? Non, elle est ni chauve ni barbue. Tu laisses choisir sans regarder. Je vais partir sur celle du fond. Sur celle du fond là, la numéro 3? La numéro 3. Attends, t'es sûr de toi? Attends. Franchement, ouais. Bon, il aime bien les cassures visiblement. Lucas, ça aurait dû choisir une autre pièce. C'est faux! Bravo à toi! Aïe, je voulais mettre la petite pression du prof évidemment. Non, franchement, je préfère être ici que me faire catcher, tu vois. C'est un petit compliment qui logique en fait. Alors je te présente Mathilde, 1m55. T'aimes bien quand il est plus grand que toi, bah t'as été servi. Bah oui, voilà. Là pour le coup je suis grand. Là t'es grand, mais t'es aussi grand dans les ambitions, mon ami. C'est ça. T'as tout compris, hein. Je vous laisse parler un peu. T'habites où déjà? J'habite à Aix-en-Provence. Voilà, moi aussi. Et vous connaissez pas en plus, hein? Non, jamais vu. Vous aimez bien chacun l'humour chez l'un chez l'autre? Ouais, franchement, ouais. C'est la base, tu vois. Si tu peux pas rigoler, après c'est pas marrant. Donc faut savoir rigoler et on s'amuse comme des fous. Ok, ton partenaire dessus partager tes passions, son centre d'intérêt. Pas forcément tant qu'on te retrouve de temps en temps, quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt? Les voyages. Ouais, moi j'adore voyager, mais j'adore aussi être dans mon lit avec les petites vidéos. Les vidéos de qui? De Lucas Studio, oh, bah évidemment. Quel hasard, c'est moi en fait. Rendez-vous, dites-vous une petite phrase mignonne. Hyper gênant, j'adore ça. Tu es petite et très jolie, franchement. Tu es grand et très beau. Oh, j'adore! J'adore cette vidéo! Ah putain, vive l'amour. Je vous laisse ressortir, mais regardez ce qui est fait, le rideau est tombé. C'est un signe d'amour incroyable. Ah bah écoutez, je suis très content pour vous, je vous laisse vivre votre vie. Super, bah du coup on retourne à Aix-en-Provence là, tu vois. Le temps de finir, ils sont déjà barrés, j'adore ça. Et je suis très content, tenez-moi au courant de la suite. Pas de soucis. Allez, on tourne un petit, on dirait ma mère. Hein. Allez, ça marche, merci beaucoup. Allez, fuyez les amoureux, les tourtereaux là. Nous accueillons maintenant Baptiste. Baptiste, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Qui es-tu, Baptiste? Eh bien, étudiant, 21 ans, à l'UTC. Alors, ça c'est incroyable parce que t'es compatible, écoutez-moi bien, à 80% avec la demoiselle qui se trouve derrière une de ses tantes. Elle est dans la tente et dans la tente de toi également. C'est mon côté neck, n'hésitez pas. Mon album, il sort bien, toi. Je te laisse choisir une des trois pièces. Je vais prendre la troisième. La troisième, celle-ci? Celle-là, donc. Baptiste, ah, je t'en vais. Je te laisse ouvrir. Ça fait rire d'avoir, je suis Pascal. Non, stress. Baptiste, découvre, c'est parti. Il y a qui? Oh yes! C'est mon moment préféré de la vidéo. Il me met de bonne humeur. Ouais, on est d'accord. Alors, masterclass de Tom LaRuifa qui va se massacrer. 15 ans de carrière dans le catch. D'accord, allez, vas-y, montre-moi. Tire-moi la main. J'adore ça. Ah, joli. L'attaque est forte, solide sur les appuis, je vais me faire massacrer aussi moi. J'ai vraiment peur pour moi évidemment. C'est pas mal ou pas? C'est mieux que moi? Ouais, on verra tout à l'heure. On peut discuter, c'est incroyable. J'aime bien. En pleine souffrance, il aurait pu passer un moment. Oh là là. Et pourquoi pas? C'est quoi cette position? Bon les gars, moins de 10 minutes le combat. Tony, tu veux faire une petite pause? Je suis du rugby juste. Ah ouais, rugbyman, ok, ça aide. Baptiste qui est en pleine souffrance, attention à Tom LaRuifa qui est en train, pourquoi pas le piétiner. C'est la meilleure vidéo de ma chaîne, ça. Putain, si je savais que j'allais m'entraîner. Les gars, j'ai adoré votre match. Putain, fallait me dire qu'il y avait du potentiel. Ah mais je savais pas, moi, c'est incroyable. Très beau match, j'aime beaucoup, moi. Bah écoute, merci beaucoup, on revient tout à l'heure. Oh là là, mais mec, t'es trop chaud. T'es quand même chaud, franchement, de ouf. Bah moi, je l'avais battu la dernière fois, mais bon, moi, tu sais, je... non mais toi, on se retrouve tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure, t'inquiète. Baptiste, merci d'être venu, avec plaisir. T'as été incroyable et je te souhaite le meilleur dans la fin de ta vie. Et bien toi de même. Évidemment, on présente qui l'a raté. 3, 2, 1, salut. Salut. Bonjour. Alors, t'as entendu qu'il y avait un combat incroyable à côté? Ouais, il s'est bien battu. Il s'est battu pour toi. Il s'est battu pour notre amour. Oh, c'est mignon. Comment tu vas, Sheridan? Bah ça va, je suis un peu déçue. On avait une forte compatibilité. Ouais, c'est vrai que 80% c'était quand même pas négligeable. Malheureusement, il a fait le mauvais choix de porte. Il a loupé la femme de sa vie. C'est malheureusement ce qui manquait, t'as peut-être loupé quelque chose. Incroyable. Et peut-être que tu vas finir seul, dépressif, alcoolique. Allez, merci à tous, c'est un pouce bleu, abonnez-vous, c'est hyper important bien sûr. Qu'est-ce que tu dis aux abonnés d'ailleurs là? Non, aux non-abonnés. Ah, aux non-abonnés, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et la cloche. Même mon père il regarde ses vidéos, alors les parents ah, et ouais. tout. Je peux faire un petit dédicace? Ouais, bien sûr. Curtis Loane, s'il vous plaît, voilà. Oh, papa. Merci beaucoup à toi en tout cas. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis à la fin de sa vidéo. J'ai trop peur de parler, je suis trop timide, je te laisse te présenter. Bah écoute, je m'appelle Lucas. Oh yes, ah, c'est beau ça. J'ai 21 ans et je viens de Rouen. Ton plat préféré? Les faritas on va dire. Les faritas, j'ai jamais mangé de ma vie. Mais c'est validé par Agathe derrière la caméra donc ça me va. Sache que tu es compatible à 72% avec une fille. T'as envie de savoir qui c'est j'imagine? Évidemment, je suis là pour ça. Ou t'as envie de massacrer un catcheur? Aussi. Tu fais du sport dans la vie? Un petit peu. Alors Lucas, je te laisse choisir une des salles. Je vais prendre la salle numéro 3. La salle numéro 3 ici? Ouais. Lucas, je te laisse découvrir ce qui se passe ici. Oh yes. Oh j'adore ça. Enfin l'amour, toque à ma porte. Oh. Présentation Lucie. Oui, je m'appelle Lucie, je suis rouennaise. Moi aussi. Et aussi? Oh là là, c'est dans la même ville. Bien sûr. Et vous connaissez pas pourtant? Non. Non. Trop bien, vous n'êtes pas frère et sœur. Hein. Oula. Eh bien, écoute, je suis ravie de te rencontrer. Et moi aussi, c'est bon. Ça fait 22 ans que j'attends ça, Lucas.
Ah, j'adore. C'est très mignon, c'est très mignon. Concernant la distance, tous les deux par rapport à un couple, vous disiez, entre deux, je peux faire jusqu'à une heure de route sans problème. Et sauf que vous venez dans la même ville. Il n'y aura pas besoin. C'est le destin, c'est moi, j'adore tous ces trucs-là en fait. Je vous laisse fermer. Échanger nos numéros de téléphone, quoi. Ouais, les gars, ouais, cette vidéo est belle. Bien sûr, vous savez quoi, je vous laissais même sortir. Sortir et rentrer dans une nouvelle vie pourtant. On va au resto maintenant. Pas de soucis. À l'hôtel. Oh là. Je vais se repartir tous les deux, écoutez, vivre, pourquoi pas une belle histoire. Nous accueillons maintenant Louis. Bonjour à tous. Louis, il se trouve quelqu'un dans une des trois pièces. Ok. Qui peut être peut-être la femme de ta vie, mec. Tu te rends compte de ce que c'est? Franchement. Ouais. Mais c'est même mieux que ça, mec. Parce qu'elle est à 61% compatible avec toi et avec personne d'autre. Donc ton but, c'est de la trouver, évidemment. Ou alors tu massacres un catcheur. Je préfère quoi? Franchement, je pense me débrouiller dans les deux cas. Hein. Tant qu'il y a de l'action, il s'en fout. Toi, tu fais un peu de sport, non? C'est quoi le bail là? Je suis coach sportif. Ah, donc là, il y aurait un combat intéressant. Donc et j'ai ouais, presque envie que ça tombe contre le catcheur. Alors, quelle salle tu choisis? La salle du milieu, la salle numéro 2? Bon, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Mais Louis, je te laisse découvrir la salle numéro 2. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Ok, enchanté. Je te présente Gaël. Gaël qui est né, c'est pas possible, le 27 mars 99 comme par hasard. C'est parce que lui, quand il est né? Le 10 septembre, c'est aucun rapport. Aucun rapport, vraiment. Ouais, c'est proche, c'est proche. Allez, je vous laisse parler, les tourtereaux. Bah écoute... Donc coach sportif. C'est ça, t'as entendu. Super, je fais un peu de volley, moi. Ok, bah. Du moment que tu fais du sport, ça va. Ouais, un petit peu, ça un petit peu. Vous avez un point en commun qui est beau. C'est que le plus important que vous vous trouvez réciproquement chez l'autre personne avec qui vous voulez être, c'est son humour. Hyper important, bien sûr, l'humour. Est-ce que vous voulez vous raconter un truc marrant? Et là, ça va être encore plus gênant. Et là, j'adore. Moi, j'ai une blague. Elle est un peu vulgaire, par contre. Qu'est-ce qu'on fait après avoir un chauve? Premier date avec une meuf. Alors là, non. C'est horrible. J'ai dit qu'elle était vulgaire. En vrai, je vous dis, vous êtes beaux tous les deux. Et en tout cas, vous avez l'approbation de Lucas Studio. C'est hyper important. C'est plus important. Quel honneur. Et vous savez quoi? Je vais même vous laisser reprendre votre vie tous les deux. Enfin, commencer d'ailleurs. Ok, bah bien. Je suis revenu seul, mais repart à deux. Merci à vous. Et moi, je reste solo dans une tente. Bon, vous savez quoi? J'ai déjà fait ma vie, moi, vous savez. Bientôt 22 ans. Je pense à la retraite, moi. Nous accueillons maintenant Oscar. Oscar, comment vas-tu? Bien et toi? Hyper bien. C'est tout. Oscar, faut savoir que t'es compatible à 78% avec quelqu'un qui se trouve derrière une de ces trois pièces. C'est beaucoup. Et c'est pas le catcheur. Est-ce que t'as déjà fait du catch dans ta vie? Ouais, avec mon petit frère dans ma chambre une fois. Ok, comme tout le monde. Je te laisse choisir une des trois pièces pour regarder, mon ami. Bah, celle du milieu. Celle du milieu? Je te laisse regarder maintenant et même ouvrir le rideau. Est-ce que c'est un catcheur? Est-ce que c'est Barack Obama qu'on a fini spécialement pour cette vidéo? Et Barack est ici! C'est faux. C'est un cadeau. Je t'en prie, vas-y, rentre. Je t'explique ce que c'est. Ici, tu as trois trucs. Je te laisse ouvrir une des deux enveloppes si jointes. Personne n'utilise ce mot si joint. Aïe, aïe, aïe. J'en sais rien. Pas du tout. C'est un peu un cadeau de Noël, quoi. Et c'est l'autre consolation. Aïe aïe aïe, et voilà le troisième manche. Tu pourras nous malheureusement ni affronter les catcheurs, ni rencontrer les adultes. Tu as juste un lot de consolation. C'est pas grave. Et tu gagnes ce cadeau qui est peut-être incroyable, attention. Hein. Et bah je te laisse ouvrir ça en direct. C'est trop bien! C'est un vidéoprojecteur. C'est un vidéoprojecteur pour téléphone, j'avais même pas que ça existait, c'est trop bien. C'est marrant. Alors c'est peut-être moins bien que la femme de ta vie, hein. Il me semble. Ouais, je sais pas, ça se voit. Ça se voit. Oscar, merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Merci. Tu régales et je te laisse continuer ta vie dans la joie et la bonne humeur. Alors, qui Oscar a-t-il raté? Nous découvrons ici. Salut. Salut. Je vous présente Claudia, bien sûr. Évidemment, c'est moi. Claudia, comment tu vas? Ben ça va très bien, merci. Est-ce que si t'allais mal, t'aurais dit franchement Lucas, ça va mal, je me confie à toi, là tu me racontes ta vie pendant deux heures? Non. Voilà, bien sûr, évidemment. T'aimes bien sortir de temps en temps avec des amis, t'aimes bien un verre de vin avec petit restaurant, et tu ne le feras malheureusement pas avec Oscar. Faut croire que non. Je préfère te contenter d'un vidéoprojecteur, c'est pas grave. T'as entendu en plus? Ah oui, j'ai tout entendu, il était super content. Claudia, bah, je suis presque désolé pour toi, ça va, c'est pas trop triste? Oh non, ça va. Merci beaucoup Claudia. Merci à toi. Et on te met le numéro DiCaprio en DM. Ça t'intéresse? Ah oui. Tu préférais ça? Ok, ça marche. Mieux qu'un lot de consolation. Alors, nous accueillons maintenant Jérémy. Jérémy, comment tu vas? Hyper grand, Jérémy. Ça va, ouais, un peu. 1m96. Je vérifie ma feuille, j'ai vraiment une feuille. Ah, c'est marqué 1m95. 95, c'est écrit. Ouais, c'est écrit. T'as pris 1 cm de cheveux en plus? Cette nuit. Cette nuit? En dormant, Alors, Jérémy, pour info, tu as 56% de compatibilité avec une fille qui se trouve dans une des trois pièces. Si tu as de la chance, tu vas pouvoir la trouver. Bah, je la rate, c'est peut-être la femme de ma vie, ça. Je vais prendre. T'as pas de conseils à me donner, j'imagine? Non, en vrai, alors, je sais pas où ils sont. Je sais, mais je sais pas. Mais je dis pas, vas-y, me rate pas. Je vais prendre la... La 2. La 2 ? Ouais. Dans la pièce numéro 2, il y a quelque chose. Je te laisse ouvrir. Oh, c'est mignon ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'était la surprise du jour. Je te laisse ouvrir une des deux enveloppes. C'est genre ça va me renvoyer vers quelqu'un d'autre, genre? Ah, on sait pas. Ah, les gamins. Jérémy, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? T'es né le 28 mars, c'est sympa comme date ça, non? Pourquoi pas le 29 d'ailleurs? T'as choisi le 28 toi? Ouais, j'avais envie de sortir, hein. T'avais envie de sortir, t'avais la flemme d'attendre. Ok. Rejoue. Oh, il rejoue, ok. Donc là, tu vas devoir choisir une des deux pièces restantes. Donc soit il se fait maraf par un catcheur, soit il rencontre la femme. Ou soit tu fais maraf par la femme de ta vie et tu fais pousse le catcheur. Ça devient gênant, hein. Jérémy, donc t'as soit la pièce 1, soit la pièce numéro 3. Je vais prendre la 1. La 1, donc celle là-bas? Ouais. Je te laisse, Jérémy, découvrir en direct
Enchanté. Ok, ok, j'aime bien ce moment aussi. Si je pensais tomber sur un catcheur, je voulais le goumer. Je vais pas vous mentir, mais ça va? Ça va et toi? Alors là, excusez-moi, là on part sur un moment un peu gênant que j'adore. Merci de nous laisser dans ce moment de malaise. Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Je vous laisse 10 secondes de malaise et après j'interviens. J'ai pas suivi du coup, tu t'appelles comment? Laure. Laure, moi c'est Jérémy, je sais pas si t'en souviens. T'as quel âge? 21, j'en ai 20. Du coup, c'est quoi t'as mis dans le test? Bah, vous avez mis plein de trucs. En cas de dispute, comment vous réglez-vous les choses? Moi j'ai dit on s'explique. On s'explique évidemment. Mais regardez-vous un peu, moi je suis pas là, moi je suis pas là. Et vous savez quoi, j'existe pas moi, laissez-moi. Ouais, pas de soucis, en plus elle est jolie. Oh, j'aime bien ça, c'est. Y'a pas de soucis. Voilà, je suis mal à l'aise. Et vous savez quoi, y'aura pas de musique de fond, y'aura rien. Y'aura juste vraiment ce moment. Moi je te conseille de casser le moment, vu on part tous les deux. Si tu veux. Let's go, allons-y. J'ai pas de gêne, pas de. Merci beaucoup, au revoir, bisous. Jérémy et Laure, je vous laisse faire votre vie maintenant. Je sais pas, Adrien, tu pourras peut-être faire une vidéo dans 2 ans. Que sont-ils devenus là? Et là, c'est une belle histoire. Le jardin avec le chien et tout. Je vous laisse regagner vos territoires. Your territory. Territory. Your territory. Les amis, je suis hyper content d'accueillir ici Nathan. Super content d'être là aussi, très content d'avoir été invité et tout, donc en vrai c'est super cool. Qu'est-ce que tu dirais au Nathan d'il y a 10 ans? Alors Nathan d'il y a 10 ans, je lui dirais content d'être, hyper long. Continue de faire ce que t'aimes et Parce que tu fais quoi maintenant? Là je suis toujours en Staps, enfin en sport, enfin ouais, c'est ce qui me plaît donc. Staps, alors il pourrait y avoir un beau combat du coup là. Ah oui, ouais, mais sport de combat c'est pas trop mon délire quoi. 1, 2 ou 3, qu'est-ce que tu veux Nathan? Je vais choisir la première. La première, donc celle tout à droite tu veux choisir. On va se diriger tranquillement vers la pièce numéro 1. Nathan, je te laisse ouvrir. Je vais s'ouvrir. Vas-y. Vas-y. C'est comment ton nom? Je vis sur Terre pour ce moment, je crois. Il me tutoie. Oh, 5 fois champion du monde, tu le tutoies? Ah oui, t'as quand même. Okay. Il m'énervait dès le début. Ouais, c'est vrai, je vais l'avoir en fait. Ah ouais, lunettes, tu veux que je les garde? Allez. Alors franchement, elle fait pas mal. Massacre-le. Une différence entre blessé et faire mal. J'adore cette vidéo. Après, moi, je vais tendre à quelqu'un qui a des cheveux, quoi. Mais... Oh, provoque, ça provoque là. Vas-y, Tom, dis un truc là. Faut pas que tu te fatigues, mec. Moi, je suis souple là. Nathan, pour répondre à ta question tout à l'heure, éclairage qui tombe, wesh. Je suis fan. Oh là là. Non, en vrai, je suis content d'avoir choisi comme ça, du coup. Tu le finis en combien de morceaux, tu veux? Ouais, 18. Yeah. Oh, très beau combat. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux, les gars. Nathan, t'as l'air un peu essoufflé, non? J'ai plus de cardio. T'as loupé ta la femme de ta vie, mais... Peut-être trouver une vocation. Peut-être trouver l'homme de sa vie également, non? Non, pas sûr. Merci beaucoup en tout cas Nathan et merci beaucoup Tom évidemment Masterclass. Et on se retrouve tout à l'heure mec, t'as capté? J'attends que ça depuis tout à l'heure. Ah, Nathan, merci beaucoup à toi et malheureusement t'as raté 60% de compatibilité avec quelqu'un. Après, content de l'expérience, le catch, c'est quelque chose que je regarde quelques fois sur YouTube. Le catch. Oh, intéressant. Merci beaucoup Nathan. N'oubliez pas d'aller suivre Lucas sur sa page Instagram. C'est vrai? Lucas-du-bas. Studio YT. Et avec l'oxygène qu'il prend pour dire cette phrase, franchement, faites-le. À très bientôt, à très vite. Reste comme t'es, Nathan. Alors, qu'est-ce qu'a raté Nathan? Nathan a raté. Natalia, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Natalia? Bah, ça va, écoute. J'ai plus ma petite fiche, donc je peux plus rien dire. Mais je pense que t'es né en 99. Non. 98? Ouais. Ok, ça marche. Le 28 mars? Pas du tout. Le jour où ça marche dans ma vie, je réussis tout. Natalia, tu fais quoi dans la vie? Je suis en licence de chimie. Ok, bah alors malheureusement t'as pas pu voir Nathan, mais ce qu'on peut faire c'est que pour les gens qui n'ont malheureusement pas pu rencontrer l'âme sœur, en description on met les Instagram des gens qui sont volontaires. T'as dit on fait ça? Ouais. Un truc à ajouter Natalia, est-ce que tu veux dire... Non, pas spécialement. Affronter le catcheur? Oh ça ira non, j'attends que tu le fasses. Ah mais en fait tout le monde attend, j'ai teasé un truc beaucoup trop en fait. Hein. Natalia, merci quand même beaucoup à toi. Ok alors maintenant tous les candidats sont passés, je vous l'ai promis, évidemment j'ai affronté Tom, la Rufa, en combat de catch. Avant ça évidemment encore un grand merci à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo les frérots. Le lien de l'appli est en description, n'hésitez pas à rencontrer l'amour vous également. Voilà, donc maintenant on passe au moment que j'attends le moment de cette vidéo. C'est parti. Bah merci en tout cas Tom d'avoir participé, l'Insta de Tom, la chaîne... Wesh. Attends, mais j'enlève les lunettes, Non, mais t'inquiète, je les garde. Putain, le mythe de Lucas sans lunettes est brisé. Je suis ruiné. Merci à tous les gens qui sont là et qui ne voient plus sans lunettes du coup, évidemment. Merci beaucoup en vrai à Tom. Et on est super potes à la base, donc... Ça fait hyper plaisir, wesh. Bon. C'est moi qui les gâte, wesh. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et bonne nuit. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, fais ça. Merci à Tom.